Hello les jolis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver chez Action pour une nouvelle vidéo d'arrivage spéciale Noël. Et oui, déjà, je vous repropose un thème Noël parce qu'ils n'arrêtent pas de remplir et j'ai peur que tout soit dévalisé avant de vous les montrer. Donc c'est parti. Alors, on a ici des suspensions comme ceci qui font arbre de Noël. Il y en a trois sortes. Normalement, on a l'étoile, l'arbre et le flocon de neige. Ça coûte 2 euros. Vous voyez, vous avez la petite ventouse pour le fixer, ça peut être sympa pour la fenêtre. On a en tout 58 cm de longueur et 30 cm entre le sujet et le petit interrupteur on-off. Il n'y a pas de minuterie. Je vous les sors tous, attendez. Voilà, je ne peux pas vous l'allumer puisqu'il y a la protection pour la pile. Voilà le flocon, l'étoile et le sapin. Ici, on a une autre mignonnerie. Regardez cette petite guirlande. Avec 8 étoiles ou 8 sapins, c'est 5,95 €. Vous avez 4 crochets pour la suspendre. Pareil, c'est des petits crochets ventouses. Donc si vous voulez mettre sur une vitre, c'est parfait. Et on a étoiles et sapins de Noël, c'est les deux sortes. C'est vraiment trop chou, 5,95 €. Je commence par les lumières aujourd'hui, parce que l'autre fois j'ai commencé là-bas. Ça, c'est pour l'intérieur seulement, c'est les petits flocons de neige. On a 2 mètres de guirlande, vous les avez aussi en étoile à 10 euros. Et à côté, on a quelque chose de... Alors là, par contre, pardon, je vais un peu vite. Je suis tellement excitée d'aller à droite. On a la fonction timer. Vous pouvez mettre allumé pendant 6 heures, si vous voulez. Comme ça s'éteint tout seul, vous êtes tranquille. Et à côté, on a les rideaux lumineux. Je ne sais plus si c'est les mêmes que l'an passé. C'est 6,95 €, les 25 LED. Ce que vous voyez là, ce sont des guirlandes. C'est 4,80 €, donc pour mettre sur le sapin ou ailleurs, si vous voulez décorer ailleurs. Hein. Ça, c'est vous qui voyez. Ça coûte 4,80 €. On a 10 LED. Je regardais s'il n'y avait pas une autre couleur. Attendez, je vais tout déménager. Non, j'ai que ces deux-là. Les jolis cadeaux qui s'allument en LED en 14x14. Bon, ils sont sous blister. Attendez, il y en a peut-être un qui est déballé, là. Il est à 5 €. Vous l'avez déjà vu, celui-là. Alors, il existe en doré comme ça, vous l'avez en argenté, je vais essayer de vous le sortir. Trop mignon. Le voilà en argenté sous son blister. Vous avez les deux là. Les guirlandes de branches de pin. 2,70 m de longueur, c'est 7,95 €. Pareil, on a la fonction timer pour pas que ça reste allumé toute la nuit ou pour pas qu'on le surveille. Ça, c'est pas mal aussi. Côté sapin, là, j'ai vu des petites mignonneries. Les petites figurines comme ça. Elles sont vendues par 3, donc là on est sur avocat, aubergine, ananas. Ça, c'est pour les ivrognes, je plaisante bien sûr. Le champagne, le petit ballon, on a les casse-noisettes avec les petits cadeaux. Est-ce qu'il n'y a pas un autre truc là? Non, toujours les fruits. Ah, c'est adorable ça, les petits macarons. Ça, je meurs, c'est beaucoup trop chou ça. 3 €. L'année dernière, on avait vu ces petites guirlandes de perles. Je suis pas sûre, mais ça, ça me dit rien du tout. C'est aussi des guirlandes avec des perles, mais on a des étoiles. C'est 1 € les 2,70 m. Vous avez plusieurs sortes et pour les couleurs, c'est surtout argent doré. Attendez, il y a celle-là aussi. Alors, à chaque fois, je vois des trucs comme ça. Bon, moi, dans ma tête, il faut le mettre sur le sapin. Mais après, il y a des créatifs, ils vont vous faire des trucs. Il y a des gens, ils ont des idées, mais incroyables. Moi, c'est pas de mon cas, hein, clairement. Si vous voulez juste 5 mètres de billes comme ça, c'est 1 €. Ici, on a des petites boules de Noël. Alors, elles sont en plastique, elles sont à 1 € et elles sont remplies. Regardez comme c'est chou. On a des petites paillettes, on a des petites boules. Plastique, c'est vrai que c'est cool. Il n'y a personne qui risque de les casser, là. On est tranquille. Si vous aimez tout ce qui est pailleté, il y a aussi ce modèle. C'est toujours du plastique en 8 cm de diamètre. Elles sont sympas aussi, les couleurs. Là, c'est du verre, donc ça casse. Je vais faire gaffe. Elles sont toujours un peu plus chères en verre, mais le prix, il est quand même correct. C'est 1,39 €. Je trouve ça relativement accessible, quoi. Encore des petites boules en verre ici à 1,40 €, 8 cm de diamètre. Donc là, c'est très... très décoré, très bling. Et je continue avec celles-ci qui sont pas mal aussi. Vous voyez, elles sont texturées. Je sais pas si vous reprenez la vaisselle, bien sûr, la déco de l'année dernière ou si vous allez changer cette année. Mais bon, il y a du choix chez Action.
On a juste au-dessus des suspensions acryliques. Alors, on a des petites ballerines. On a des rennes. Je sais pas si vous voyez bien. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est un oiseau. Je sais pas ce que c'est comme bête. Ouais, je vais pas chercher à savoir parce que sinon je vais dire une grosse connerie. 1 euro pièce. Bon, attendez, on a fait cette première partie. Je vais aller là-bas parce qu'on a encore tout ça en Noël. Hein. Les gars, il y a plus de Noël que de vaisselle ou que de déco. Il y a un peu d'Halloween, mais franchement, vite fait. Ça, je l'ai vu hier. Je vous l'ai montré, je crois, dans ma vidéo généraliste. C'est des plateaux photo forts avec des petites décos de Noël. Le petit casse-noisette, le petit sapin. On a 3 photos forts. Ce qui est bien, c'est qu'avec ça, donc une fois que Noël est passé, vous pouvez virer les deux là et mettre d'autres trucs dessus. C'est 8 euros. Et ici, on a un ravitaillement de casse-noisette. Ils sont trop chauds. Alors, il y en a deux parce que il y a ceux-là que je vous ai déjà montré en 38 de hauteur. Et vous avez des plus petits, mais j'ai pas le prix. Ils sont à 6 euros les grands. Et les petits, je sais pas du tout. Donc je ne vais pas m'avancer. Réassort aussi pour les petits cadeaux en fourrure. Donc avec nœuds, ils font 10 par 16 en blanc ou en noir. Et ils sont à 3,70. Et là, ils vont poser ça. Oh, c'est trop joli ça. J'adore fouiller dans les cartons. C'est un plateau en bois, mais vous voyez, c'est pas les mêmes formes qu'on a d'habitude. Ils sont à 5 euros. Ils font 28 de diamètre ceux-là. Ils sont trop choux. Et là, ce qui est bien, c'est que c'est Noël ou pas Noël, pas de soucis, quoi. Pour la crèche, mea culpa, hein, je vous ai dit l'autre fois que je n'en avais pas vu, moi, l'année dernière. Franchement, je m'en rappelle pas du tout. Mais vous m'avez dit qu'il y en avait déjà. Elles sont à 4,80, celles-ci, en 16 par 13. Pour les loisirs créatifs, ils ont sorti les premiers pochoirs, hein, pour les machines à embosser à 3,50. Je vais vous les montrer un à un, vous verrez mieux. On a celui-ci, celui-ci. Je suis incapable de me servir de ça. C'est ce que je me dis à chaque fois que je vois des trucs de loisirs créatifs. Parce que vous êtes trop loin pour moi, les créatifs. On a ceci. Là, avec des petits Pères Noël. C'est une Mère Noël, je crois bien, ici. Voilà, c'est 3,50 €. Je vous montre les deux petits derniers. Les music box pour faire voilà, des petites créations avec un petit son. Elles sont à 5 €. Le prix, il est là. Et vous avez différentes variantes. On a sapin de Noël, on a les rennes, on a le Père Noël aussi. Et on peut aussi créer sa boule ou son dôme de Noël. Donc ça, c'est la boule. Pareil, c'est du DIY. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur pour faire une jolie déco. C'est 3,50 €. Et en même temps, on se détend au passage. Ça, c'est des dômes. Les petites boîtes aux lettres, elles sont revenues à 8,80 € en 31 par 21. L'autre fois, elles ont été dévalisées en 2 secondes. Côté carte de vœux, je ne me rappelle pas qu'il y avait ça l'année dernière. Regardez, ils appellent ça les cartes classiques gold. Elles sont pas mal. C'est 90 centimes la pièce. Bien sûr, on a l'enveloppe qui n'est pas blanche. Hein, vous voyez, elle est colorée. Je ne sais pas si on n'aurait pas dans les teintes rouges. Ou... Si, on a celle-là aussi qui est jolie. Après, vous avez celle-ci en 3D. Elles sont à 84 centimes. Il y a toujours l'enveloppe avec. Ça, c'est trop rigolo. C'est des petits sacs à dos Père Noël. Ils sont adorables. Donc à 3,50 €, à l'intérieur, vous avez des petits bonbons. C'est chou pour offrir. Je regarde s'il n'y a pas d'autres sortes. Non, il n'y a que celle-ci. On a aussi des bonbons. Ça coûte 1,60 €. Ok, les petits pèses version Noël, c'est 1,69 €. Vous avez aussi le renne et le Père Noël. Hop, ah, je les avais pas vus. Les M&M's Père Noël avec dedans. Les petites billes, c'est 2,29 €. Vous avez, bon, il y a le bleu et le rouge. Voilà. Ils nous ont ressorti la petite vaisselle là. Mélaminés. Les petits bols, ils sont à 99 centimes. Vous avez toutes ces sortes-là. Vous avez le saladier pour mettre votre pâte à cookies là, à 2,60 €. C'est 25 de diamètre. Attendez, je vais vous le sortir lui. Ouais, il est pas mal aussi comme ça en cette couleur. Les assiettes, 25 de diamètre.
Et on a même Bic en version Noël. Ça, c'est la meilleure à 3,30 € pour allumer voilà, vos gâteaux si vous voulez être dans le délire jusqu'au bout. Ils auraient pu s'appliquer hein, pour faire un truc un peu plus dans le thème. Ils ont également ressorti les verres en 25 centilitres à 2,60 €. Voilà, c'est le lot de 3. Et je crois qu'on a fait le tour. Voilà les jolis, ma vidéo du jour est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo. Je vous pardonne, enfin, je vous propose de me pardonner pour cette voix, hein. Je suis un petit peu malade, vous le savez. Prenez soin de vous surtout. Bye.